Bonsoir à tous et bienvenue encore parmi nous. Nous sommes sur la chaîne Réveil TV et c'est l'émission Réveillez-vous. Je bénis une fois de plus le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il nous fait d'être en vie, de respirer, d'être en bonne santé. Parce que c'est vraiment une grâce et c'est vraiment un privilège d'être en bonne santé. Lorsqu'on réalise que ce jour, il y a beaucoup qui sont sur des lits d'hôpitaux. D'autres qui sont morts, qui n'avaient pas forcément prévu cela. C'est vraiment une grande grâce et nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour sa vie. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Et je crois que Jésus est présent parmi nous. Je crois que Dieu est bon. J'espère que vous vous portez bien. Donc on va prier un instant. Le Seigneur prend le contrôle de toutes choses. Et enseigne-nous par ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, que Dieu soit béni pour sa grâce, comme je le disais tantôt. Ce soir encore, on va partager la parole de Dieu. Et on va parler de la croissance dans la révélation de Jésus. Donc, on va parler ce soir de la croissance dans la révélation de Jésus. Ou de la croissance de la communion avec Dieu. Parce qu'on se rend compte que dans la foi chrétienne, dans la marche chrétienne, il y a trois grands groupes. Il y a le groupe des serviteurs, il y a le groupe des amis, il y a le groupe de l'épouse. Voilà. Et les serviteurs ont une révélation du Seigneur, mais qui est assez limitée. Les amis ont certes une relation plus profonde que celle des serviteurs, mais elle est aussi limitée. Mais l'épouse, on va dire, la pleine, sinon la révélation qu'il faut du Seigneur, parce que c'est l'épouse qui a la faculté, n'est-ce pas, de partager l'intimité de l'époux. Dans une bonne mesure, l'ami peut partager l'intimité de son ami, mais de façon limitée. Voilà, de façon limitée. Le serviteur, lui, il est complètement hors de, n'est-ce pas, de l'intimité de son maître. Donc, lorsqu'on parle de serviteur, on a serviteur et maître. Lorsqu'on parle d'ami, on a ami et ami. Lorsqu'on parle d'époux, c'est époux et épouse. Donc, on va un peu voir la croissance de la révélation qu'on a du Seigneur et on va essayer de voir là où chacun de nous se situe. Donc, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1, à partir du premier verset. Donc, la croissance dans la révélation de Jésus. Parce que frères et sœurs, sans la révélation de Jésus, on ne sera pas à même de bien le servir, de mieux l'adorer, de mieux le prier, de bien le célébrer, et encore plus même d'être enlevé lorsqu'il reviendra. Donc, on est dans le livre de 1 Jean, le chapitre 1, on va lire à partir du premier verset. Donc, on est ce soir sur la croissance dans la révélation de Jésus. 1 Jean, chapitre 1, à partir du premier verset. Ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous a été manifesté. Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, nous allons remonter au premier verset. Donc, ici, c'est Jean, n'est-ce pas? On va garder le pas sur l'écran, s'il vous plaît, frère. Donc, ici, c'est Jean qui parle. Et si vous vous rappelez, Jean était le plus petit de tous les disciples qui a marché avec le Seigneur, c'était le plus jeune. Et s'il était déjà un monsieur d'un certain âge. Donc, lorsqu'il écrit cette épître, il parle de ses petits-enfants. Donc, on voit que c'était un vieillard, c'était un homme âgé, un homme mature. Et s'il va nous révéler quatre aspects de la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Donc un jour, en méditant ce passage, l'Esprit m'a amené à m'arrêter et puis ça m'a fortement encouragé, ça m'a amené à davantage creuser. Donc il dit, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons, un, entendu, ce que nous avons, deux, vu, et trois, ce que nous avons contemplé, et quatre, ce que nos propres mains ont touché. Donc ici, il y a un contexte bien sûr par rapport à ce passage,
Mais je vais essayer de nous parler de ce que l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre. Donc, ils sont dans les quatre aspects de la croissance dans la révélation de Jésus. Première étape dans la révélation ou dans la communion avec Dieu, c'est l'étape de l'entente. Donc, il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Donc, le premier niveau, n'est-ce pas, dans la révélation de Jésus, c'est le niveau de l'écoute, l'entente. Donc ici, Jean dit fait que nous avons entendu. Et ici, ceux qui entendent, on est d'accord avec moi qu'on peut entendre quelqu'un à proximité, qu'on peut aussi entendre cette personne à des kilomètres, on peut entendre cette personne à distance. Si je prends un micro, si je prends un mégaphone, ou par écran interposé, je peux parler et on peut m'entendre même de l'autre côté de l'écran. Donc, la première étape de la révélation, j'ai eu ce niveau de l'entente. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent à entendre. Ils entendent Dieu, mais ils ne cherchent pas à le voir. Ils entendent Dieu, mais ils ne cherchent pas à le contempler. Ils entendent Dieu, mais ils ne cherchent pas à le toucher. Vous allez voir que beaucoup parmi nous, nous nous limitons à entendre. Mes frères, Dieu me disait qu'entendre ne marque pas la proximité avec Dieu, parce qu'on peut entendre à distance. Donc la première étape ici, c'est entendre. Quelle est l'entente ou quelle est l'écoute que tu as de Dieu? Parce que je me rappelle dans Deutéronome, là-bas il disait, écoute Israël, l'Éternel Yahweh est le seul véritable Yahweh et un. Mais logiquement, la notion de l'écoute met en évidence la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais beaucoup parmi nous, on écoute simplement Dieu sans pourtant le connaître. Et là, ça me rappelle le passage, n'est-ce pas, de l'histoire de la femme samaritaine où Jésus pouvait leur dire, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Voilà. Si on s'arrête à écouter Dieu, n'est-ce pas, sans pourtant chercher à le toucher, sans pourtant chercher à le contempler, à le voir, n'est-ce pas, notre révélation de sa personne est limitée. Est limitée, frère. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui, n'est-ce pas, ne vont pas dans la profondeur avec Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, qui s'arrêtent au niveau de l'écoute. L'écoute ne marque pas la proximité. L'écoute, n'est-ce pas, ne marque pas la profondeur avec Dieu. L'écoute ne marque pas l'intimité. Parce que j'en veux pour preuve l'écran. Alors, je peux prendre mon téléphone, je compose un numéro, je peux appeler quelqu'un qui est aux États-Unis, par exemple, et moi, je suis au Gabon, j'écoute la voix de la personne. Mais est-ce que la personne est proche de moi? Non. La personne a des kilomètres de moi. Ça veut dire que l'écoute ou l'entente ne marque pas forcément la proximité avec Dieu. Donc, c'est pas parce que tu as écouté Dieu te parler, n'est-ce pas, que cela signifie que tu es proche de Dieu. Parce que les proches de Dieu, on va le voir, ils ont fait qu'ils le touchent. Donc ici, c'est la première étape, la première dimension de la relation ou de la communion avec Dieu, c'est l'écoute. Est-ce que j'ai envie de nous dire que l'écoute est une mauvaise chose? Non. J'ai envie de nous dire que toi qui as écouté Dieu, toi qui Dieu a parlé, ne t'arrête pas à l'écoute. Va plus loin, cherche à le voir. Et là, ça me rappelle Moïse, n'est-ce pas, qui écoutait Dieu, qui était déjà en relation avec Dieu, à qui Dieu parlait. Mais Moïse ne s'est pas limité à écouter Dieu. Il a dit au Seigneur, je veux voir ta face. Oui, frère, ne nous limitons pas à l'écoute. Parce qu'on peut écouter quelqu'un sans le voir. On peut écouter quelqu'un sans le connaître. Et toi qui te limites, n'est-ce pas, à écouter simplement, n'est-ce pas, et merci Saint-Esprit, la Bible peut le dire. Donc Jacques, on va prendre Jacques. Sinon, notre passage de base, c'est 1 Jean, on va revenir tout à l'heure. Donc, on va prendre Jacques. Donc, on est, n'est-ce pas, dans Jacques, chapitre 1, à partir du verset 22. Jacques, chapitre 1, à partir du premier verset. Donc, c'est juste une exhortation, un encouragement, n'est-ce pas? Voilà, un encouragement pour nous. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 22. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 22. Donc, il dit, on va dire à partir du verset 21, n'est-ce pas, pour une meilleure compréhension. C'est pourquoi
rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alléluia. Donc, il dit, Jacques nous parle de l'écoute. Il dit, ne vous bornez pas à écouter. Parce que justement, l'écoute ne nous garantit pas la mise en pratique de la parole. L'écoute, n'est-ce pas, ne nous garantit pas qu'on est agréable à Dieu. C'est parce que tu écoutes simplement la parole, c'est parce que tu écoutes les enseignements que tu es agréable à Dieu, frère. Dieu peut te parler audiblement matin, midi et soir, c'est parce que tu écoutes Dieu que ta vie plaît au Seigneur. Parce que ici, Jacques, n'est-ce pas, nous parle de l'écoute et de la mise en pratique. Donc, premier niveau dans la révélation avec Dieu, dans la communion avec Dieu, c'est l'écoute. L'écoute est une bonne chose, mais l'écoute sans la mise en pratique n'a pas de sens. L'écoute sans la profondeur, n'est-ce pas, n'a pas de sens. L'écoute, n'est-ce pas, sans le fait de voir le Seigneur, n'a pas de sens, frère. Et l'écoute nous parle, l'écoute peut nous parler du parvis. Parce que justement, lorsque le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, entrait chaque année dans le Saint des Saints pour lors de la fête du Yom Kippour, du grand pardon, de l'expiation, n'est-ce pas? Il est dans le Saint des Saints. Il avait des clochettes aux pieds. Et ces clochettes permettaient à ceux qui étaient dehors, donc au parvis, à la grande cour, n'est-ce pas, d'écouter le sang. Et lorsque les clochettes résonnèrent, on savait qu'ils n'étaient pas encore morts. Mais tout ce qu'ils faisaient avec Dieu là-bas, les gens ne voyaient pas. Parce que le parvis, n'est-ce pas? Le parvis, ce n'est pas le Saint des Saints, frère. Le parvis, on écoute simplement. Donc, le souverain sacrificateur était dans le Saint des Saints. Il faisait le sacrifice. Il offrait, n'est-ce pas, l'holocauste au Seigneur. Parce que c'est au Saint des Saints, n'est-ce pas? C'est au Saint des Saints où se situait l'arche, la présence de Dieu, pas au parvis. Mais beaucoup de chrétiens, malheureusement, se limitent au parvis. Au parvis, on écoute simplement. On écoute quoi? Les clochettes. Donc, au niveau du parvis, on n'écoute pas Dieu, on écoute simplement les clochettes. Frère, ne nous limitons pas au parvis. Ne nous limitons pas à écouter Dieu. Écoutons Dieu, mais mettons en pratique sa parole. Écoutons Dieu, mais marchons comme il demande de marcher, frère. Premier niveau, dans la croissance, n'est-ce pas, de la révélation que tu as de Jésus, c'est l'écoute. Regardez, frère. L'écoute est une bonne chose. L'écoute est vraiment une bonne chose dans la marche chrétienne. Mais rappelez-vous de Jean-Baptiste, Marie Saint-Esprit, qui aimait et qui prenait plaisir à écouter les discours de Jean-Baptiste, Hérode, autant pour moi. Rappelez-vous d'Hérode. Hérode prenait plaisir à écouter les discours de Jean-Baptiste. Mais est-ce que ces discours ont produit en lui la vie? Non. On doit être des grands écouteurs. On doit être des chrétiens qui cherchent à vivre la parole, à la mettre en pratique. Donc si tu te limites à l'écoute, tu es limité dans la relation que tu as avec Dieu. Parce que regardez, frères et sœurs, dans une relation amoureuse, ce n'est pas possible que je sois marié à ma femme et que je ne la vois pas. Ce n'est pas possible que je sois marié à ma femme et que je ne la contemple pas. Ce n'est pas possible que je sois marié à ma femme et que je ne la touche pas. Ne fût-ce que toucher la main. Ne fût-ce que toucher le visage. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être marié à Dieu, être marié à Jésus, être l'épouse du Seigneur, n'est-ce pas? Et n'est pas comme Jean dans Apocalypse, voir sa cuisse sur laquelle décrit roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. La croissance de la révélation du Seigneur. Frère, ne nous limitons pas à l'écoute. L'écoute, c'est la limite. C'est la limite. Quand on est au niveau de l'écoute, ça ne marque pas la profondeur avec Dieu. Ça ne marque pas l'intimité, ça ne marque pas le secret. Nous devons des hommes de secret, des hommes de profondeur. Donc ici, on nous parle de l'écoute. Donc Jean, on va repartir dans 1 Jean, s'il vous plaît les frères. Donc on repart dans 1 Jean. Dans 1 Jean, le chapitre 1, à partir du premier verset. Donc on est sur l'écoute. Frère, que Dieu nous aide à ne pas nous arrêter à l'écoute. Parce que l'écoute, c'est l'image du parvis. Et Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas dans le parvis, frère. C'est pourquoi toi qui as reçu Jésus, n'est-ce pas, qui as écouté sa voix, ne t'arrête pas à cela, n'est-ce pas? Ne t'arrête pas à écouter la voix du Seigneur.
désire plus avec lui, désire vivre sa parole, désire mettre en pratique ce que tu as écouté de Dieu, désire voir sa face, désire le voir, désire le contempler, désire le toucher, frère. Pourquoi? Gardons le passé, s'il vous plaît, mes frères. Pourquoi on ne doit pas se limiter à l'écoute? Parce que, frère, je prends un exemple d'un enfant. Un enfant de 4 ans ou un enfant de 5 ans. On va prendre 1000 papas. 1000 papas vont l'appeler. Il s'appelle par exemple Fulbert. Fulbert, Fulbert, Fulbert. Si tous appellent, il écoute simplement. Il ne va pas distinguer. Il ne va pas pouvoir distinguer. Parce que 1000 papas vont l'appeler Fulbert. Même s'il a 4 ans, qu'il peut reconnaître, ce ne sera pas évident pour lui. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de papas qui l'appellent. Il ne sera pas évident pour lui. Mais si Fulbert a la capacité de voir ceux qui l'appellent, n'est-ce pas, même s'il y a 1000 papas qui l'appellent, s'il les voit, il pourra savoir que ah, c'est mon papa ici. Oui, frère. Ça veut dire que nos sens, parce que l'écoute nous parle de quoi? Des oreilles. N'est-ce pas? On parle des oreilles physiques, mais aussi des oreilles spirituelles. Est-ce que vous ne conviendrez pas avec moi qu'on peut penser avoir été appelé? Parce qu'il y a plusieurs, par exemple, qui s'appellent Bernard, par exemple, qui s'appellent Adrien, n'est-ce pas? On peut écouter un prénom qui tend vers celui-là et puis on se retourne. Et lorsqu'on se retourne, on se rend compte que ce n'est pas nous qu'on a appelé. Parce que justement, le sens qu'on appelle l'écoute, n'est-ce pas, où lui peut nous tromper. Ce sens, lui-là, l'écoute, peut nous tromper. Pour que lui ne nous trompe pas, lui a besoin d'accompagner de la vue. Lui simplement peut nous tromper. Parfois, tu peux croire que c'est toi qu'on appelle alors que ce n'est pas toi. Rappelez-vous du petit Samuel. Il écoute Samuel. Samuel. Il se réveille, il va voir Élie. Il dit, Élie, mon maître, tu m'as-tu appelé? Une deuxième fois, une troisième fois. Pourquoi? N'est-ce pas? Parce que l'écoute, sans la révélation de Jésus, n'a pas de valeur. Il a écouté, Dieu a appelé le jeune Samuel. Mais lui, il n'arrive pas à discerner la voix de Dieu. Il allait vers Élie. Oui, frères et sœurs, la Bible nous parle de deux catégories de personnes dans la Bible. La Bible, n'est-ce pas, nous parle de la foule, au colosse, et nous parle des disciples. Mais la foule, c'est un peuple sans vision, c'est un peuple sans objectif. La foule n'a pas la révélation de Jésus. Et rappelez-vous dans les évangiles, la foule n'avait pas droit, n'est-ce pas, à l'interprétation des paraboles. La foule écoutait la parole de Dieu en paraboles, mais qui avait, n'est-ce pas, la révélation des paraboles, qui avait l'explication des paraboles, c'était les disciples. Oui, frères, ne nous arrêtons pas des écouteurs. Mais cherchons à aller plus loin avec Dieu. Ne te limite pas simplement à méditer la parole, à la méditer, à la méditer. Bornons-nous pas à méditer, mais bornons-nous à méditer et à mettre en pratique. Oui, car c'est là où on devient agréable à Dieu. Donc, c'est la première étape dans la révélation, la révélation qu'on a du Seigneur, l'écoute. Si tu es dans l'écoute, n'est-ce pas, ça peut marquer la distance. Si tu es dans l'écoute, n'est-ce pas, tu peux être trompé, tu peux te laisser avoir. Je ne dis pas que Dieu nous trompe. Amen. Voilà, je ne sais pas ce que je dis. Mais je dis que nos sens, n'est-ce pas, arrivent à nous tromper. Arrivent à nous tromper. C'est pourquoi on doit désirer plus avec Dieu. Deuxième étape, il dit, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux. Deuxième étape dans la révélation de Jésus, c'est la vue. Paul a dit, n'est-ce pas, cependant, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la vue, on a besoin de voir le Seigneur. On a besoin, n'est-ce pas, que le Seigneur se révèle à nous particulièrement. Rappelez-vous de Paul sur le chemin de Damas dans Acte 9. Paul alla à Damas, n'est-ce pas, et des écailles ont été posées sur ses yeux. Il a été rendu aveugle. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ces écailles tombent et qu'il ait la vue, qu'il ait la révélation du Seigneur, frère. Donc la deuxième étape où Dieu nous attend, Dieu ne veut pas qu'on se limite à l'entendre, Dieu veut qu'on le voie. Donc deuxième étape, c'est la vue. Mes frères et sœurs, vous conviendrez avec moi aussi que la vue ne marque pas forcément la proximité. On peut voir, on peut apercevoir quelqu'un à distance, à des mètres. Et on peut être, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut croire apercevoir quelqu'un à distance, mais ce n'est pas cette personne, parce que la vue aussi est limitée. Oui, frère, la vue aussi est limité. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on s'arrête simplement à aussi le voir. Oui, frère, la vue, c'est déjà une bonne chose parce qu'on grandit dans la révélation du Seigneur. Oui.
Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens s'arrêtent à la vue. La vue nous parle de quoi? La vue nous parle, n'est-ce pas, de ce qu'on peut voir de certains hommes de Dieu. Paul a marqué son temps. On va le lire, on va le voir. On va parler de tel prédicateur, de tel prophète, de tel apôtre, de tel docteur. On va s'arrêter, n'est-ce pas, à voir ce que Dieu a fait avec eux. N'est-ce pas? Et ça limite notre progression avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous tentons de voir les autres. Mais quand est-ce, n'est-ce pas, on va chercher à voir le Seigneur. Moïse, comme je le disais tout à l'heure, voulait aller plus loin avec Dieu, à voir la face de Dieu. Pourquoi, frère? Parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, parler d'un Dieu qu'on n'a pas vu. Témoin là, martyr. Le témoin, c'est quelqu'un qui a entendu, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui a touché. On n'est pas témoin de Christ parce qu'on a simplement entendu parler de lui. Non, on ne doit pas se limiter à entendre, on doit le voir, on doit rechercher sa face, frère. On a besoin de voir la face du Père. Pourquoi? Parce que si on voit la face du Père, si le Seigneur se révèle à nous, n'est-ce pas? Si on le voit, ça va changer notre façon de l'adorer. Rappelez-vous de Jean dans l'Apocalypse, lorsqu'il a vu les pieds du Seigneur, lorsqu'il a vu, n'est-ce pas, ce fils d'homme qui était au milieu des 24 vieillards, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'était l'attitude de Jean, de Patmos? Il s'est prosterné. La vue, la révélation du Seigneur par la vue apporte quoi dans nos vies? Elle apporte la révérence, elle apporte l'adoration, elle apporte, n'est-ce pas, l'adoration, comme je l'ai dit. Ça, elle apporte la soumission. Oui, frère, Dieu veut qu'on quitte de l'entente, de l'écoute à la vue. On doit chercher à voir la face du Père. On va prendre un passage. On est dans 1 Samuel. On est dans 1 Samuel chapitre 3. Donc 1 Samuel chapitre 3, on va lire à partir du premier verset. Huit chrétiens. Ne nous limitons pas à la vue. Ne nous limitons pas plutôt à pour moi l'écoute. Désirons voir la face du Seigneur et désirons un peu plus parce qu'on parle de la croissance. Alléluia. Qu'est-ce quoi le but de cet enseignement? Le but de ce partage, ce maintenant, n'est pas de nous limiter à la révélation qu'on a du Seigneur. Si tu as écouté sa voix, désire plus, désire le voir. Si tu as vu la face du Seigneur, désire plus, désire le contempler. Si tu as contemplé le Seigneur, désire le toucher. Alléluia. Donc 1 Samuel chapitre 3, à partir du premier verset. Or, le jeune garçon Samuel servait Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. On va bon s'arrêter ici. Donc, ici, on apprend quelque chose. Que autant, n'est-ce pas, d'Élie le sacrificateur, un, la parole de Yahweh était rare. Et deuxièmement, les visions n'étaient plus fréquentes. Ça veut dire qu'il y avait plus de gens qui voyaient des choses. Verset 2. Il arrivait en ce temps qu'Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à se tenir, ses yeux commençaient à se ternir, autant pour moi, il ne pouvait plus voir. Donc ici, on voit quelqu'un, n'est-ce pas, qui, on le prend dans l'esprit, comprenons par l'esprit, n'avait plus la révélation du Seigneur, n'arrivait plus à voir Dieu. Alléluia. Verset 3. Et avant que les lampes de Dieu soient éteintes, Samuel était couché dans le temple de Yahweh. Où était l'arche de Dieu? Amen. Vous voyez, un jeune homme qui ne se contentait pas de servir Élie. Vous voyez ici un jeune homme qui ne se limitait pas d'avoir écouté, n'est-ce pas, que Dieu existe, que Yahweh existe par son maître Élie. Qu'est-ce qui me marque ici, c'est l'attitude du jeune homme. Pendant que les fils d'Élie Ophni et Phinée, n'est-ce pas? Oui, pendant que ses fils, je pense Ophni et Phiné, oui, étaient distraits, n'étaient pas dans la présence du Père. Pendant que le fils d'Élie, qui était censé prendre la relève, n'est-ce pas, couchait avec des femmes, le jeune Samuel, lui, il aimait rester dans la présence de Dieu. Le jeune Samuel, lui, ici, il aimait rester dans le temple. Il aimait rester pas dans le parvis, pas au niveau du lieu saint, mais il aimait rester à proximité du Saint des Saints. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que pour avoir la révélation du Père, il fallait rester dans sa présence. Donc ici, on dit qu'avant que les lampes de Dieu soient éteintes, Samuel était aussi couché dans le temple de Yahvé où était l'arche.
Oui, frère, pour grandir dans la révélation de Jésus, il faut demeurer dans sa présence. Si tu te limites à écouter, frère, tu ne dois pas grandir avec Dieu. Il faut désirer, aller plus loin. Il faut demeurer dans sa présence. Et Samuel, il savait compris le secret. C'était la présence de Dieu. Pour grandir dans la révélation du Seigneur, il faut demeurer dans sa présence. Pour grandir, n'est-ce pas, dans la révélation du Seigneur, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. L'intimité avec Dieu nous parle de quoi? L'intimité avec Dieu nous parle, n'est-ce pas, d'être en permanence en communion avec lui. D'être en permanence en communion avec lui. Par tout ce qu'on peut faire, là où, peu importe là où on peut aller, on est en communion avec lui. L'intimité nous parle pas seulement de ce moment là où on va prier et mettre dans le lieu secret. Non, l'intimité avec Dieu, on la vit au quotidien. On la vit partout là où on passe, en marchant, en mangeant, en dormant, en étant à la douche. Peu importe là où on va être en communion, on doit être en intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu nous parle de quoi? Nous parle du fait d'écouter Dieu. L'intimité nous parle de quoi? Nous parle d'avoir une communion avec le Seigneur. Oui, frère. Soyons, n'est-ce pas, de Samuel dans son attitude. Il aimait la présence de Dieu. Il aimait y demeurer. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que c'était le secret. Pour aller plus loin avec Dieu, il fallait y demeurer. Et puis par la suite, on a pu voir on a pu voir le ministère, on a pu voir la vie de Samuel. Il a bouleversé son temps, il a bouleversé sa génération. Amen. Donc la vue, comment on peut voir la face du Seigneur, n'est-ce pas? C'est en cherchant sa face. C'est en cherchant sa face. On va prendre, on est toujours dans 1 Samuel 3. On va lire le verset 19. 1 Samuel chapitre 3, le verset 19. 1 Samuel chapitre 3, le verset 19. Samuel grandissait et Yahweh était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de Yahweh. Verset 21. Yahweh continuait de se manifester dans Silo, car Yahweh se manifestait à Samuel dans Silo par la parole de Yahweh. Vous voyez que dans tout Silo, le ministère, la vie de Samuel avait été reconnue. Pourquoi? Parce qu'il aimait la présence de Dieu. Parce qu'il ne s'était pas limité à écouter. Ce que Élie lui disait du Seigneur, parce qu'Élie était son maître, était son formateur, était son rabbi. Lui-même, n'est-ce pas, il a cherché la face du Père. Il a cherché la face de Yahweh. Il avait compris le secret que, le parvis est limité. Le lieu saint aussi est limité. La révélation du Père se trouve dans le Saint des saints. C'est pourquoi il aimait y demeurer. Et ce qui me marque ici au verset 19, Samuel grandissait et Yahweh était avec lui. Il ne laissa tomber à temps aucune de ses paroles. Comment grandir avec Dieu? Comment croire dans la révélation du Seigneur? Il ne faut laisser tomber par temps aucune parole que Dieu nous dit. Mais nous, les chrétiens, on bafoue tellement ce que Dieu nous dit, on banalise tellement ce que le Seigneur nous dit. Comment veut-on grandir avec Dieu? Comment veut-on aller plus loin avec le Seigneur? Samuel ici ne laissa tomber par terre aucune parole. Aucune parole. Ça veut dire quoi? Que Samuel mettait en pratique la parole. C'est ça l'image. Il ne laissa tomber aucune parole. Nous, on laisse tomber la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne la vit pas, on ne la pratique pas. Et quelqu'un qui ne vit pas la parole, qui ne la pratique pas, ne peut pas grandir avec Dieu, frère. Samuel ne laissa tomber par terre aucune parole. Donc il garda cela dans son cœur, comme David pouvait le dire. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Daniel, Samuel avait compris les clés. Les clés pour grandir avec Dieu. C'était d'avoir une relation avec lui, une intimité, une communion. Il fallait écouter sa parole, il fallait la mettre en pratique. Oui, frère, la vue. On doit chercher à voir la face du Seigneur. On doit chercher à voir le Père. On doit chercher ce qui se révèle. Lorsque je parle de voir le Père, je tiens à le préciser pour tous ceux qui écoutent, ceux qui suivent. Ce n'est pas forcément le voir physiquement. En fait, la vue, si vous comprenez que ça marque la révélation. Voilà. On doit chercher à mieux connaître le Seigneur. Amen, frère. Ne nous limitons pas à l'écoute. Désirons encore plus. Pourquoi? Parce que la Bible va dire, connaissez, cherchez à connaître l'Éternel quand sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, même la parole de Dieu nous encourage à creuser, à chercher le Père. Amen. Donc, deuxième étape, c'est la vue. La vue aussi est limitée. Oui, frère.
La vie aussi est limitée. Parce que le Seigneur veut qu'on grandisse avec lui. Le Seigneur veut qu'on aille plus loin avec lui, frère. Amen. Donc, on va voir la troisième étape. La troisième étape, on est dans 1 Jean. On est toujours dans 1 Jean, chapitre 1, notre passage de base. Un Jean chapitre 1, à partir du premier verset. Ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, on l'a déjà vu. Ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé. Donc, troisième étape dans la révélation. Parce que Dieu veut qu'on grandisse. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à l'écoute. Dieu veut qu'on quitte de l'écoute à la vue. Et Dieu veut qu'on quitte de la vue à la contemplation. Troisième étape dans la révélation du Seigneur, c'est la contemplation. Oui, frère. On va prendre un passage d'Apocalypse. On lit l'Apocalypse, n'est-ce pas? Chapitre 1. Donc, on est dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Permettez-moi de chercher un instant. Donc, Apocalypse, on va prendre le chapitre 5. On va lire le verset 8. Apocalypse, chapitre 5, le verset 8. On lit Apocalypse chapitre 5. On va lire le verset 8. Et puis, ok. Et quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as achetés pour Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Et ce qui me marque, on va remonter au verset 8. C'est les quatre, n'est-ce pas, les quatre êtres vivants, voilà, et les 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau. Troisième niveau dans la révélation du Seigneur, on parle de la contemplation. Oui, frère. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à l'écouter, simplement. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à le voir, mais Dieu veut qu'on le contemple. La contemplation nous parle de l'adoration. L'adoration nous parle de quoi? L'adoration nous parle du sacrifice. Vous vous rappelez dans Genèse, n'est-ce pas, là-bas, lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac et. Il pouvait dire à son fils qu'on va adorer Dieu sur la montagne. Sachant qu'ils allaient offrir un sacrifice, n'est-ce pas? Mais lui dit on va adorer Dieu sur la montagne. Donc on comprend naturellement que l'adoration nous parle d'abord du sacrifice, premièrement. Mais du sacrifice de qui? Du sacrifice de nos vies, frère. Du sacrifice de nos cœurs. Du sacrifice de tout ce que nous avons. Ça veut dire que. La troisième étape, le troisième niveau dans la révélation, la contemplation va nous amener à nous offrir entièrement à Dieu. Oui, frère. Cette troisième étape, n'est-ce pas, ne va pas nous amener à être des sacrifices, simplement. Mais la troisième étape, la contemplation, nous amène à être des holocaustes. C'est quoi un holocauste? C'était cet animal, cette offrande qui était entièrement consumée par le feu. Dans la troisième étape, la contemplation de Dieu, l'adoration, n'est-ce pas, nous parle du sacrifice. Nous parle de l'autel. Et Paul peut le dire dans Romains chapitre 12 à partir du premier verset, verset 2, n'est-ce pas? Qu'on doit offrir à Dieu nos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc la contemplation nous parle du culte. La contemplation nous parle de l'adoration du culte qu'on rend à Dieu par nos vies. Oui, frère, on doit désirer contempler le Seigneur. Contempler le Seigneur, c'est quoi? Ou c'est quoi la conséquence de la contemplation? La conséquence ici, c'est l'adoration, c'est la prosternation, comme on l'a vu ici. Oui, frère, Dieu, n'est-ce pas, veut qu'on le contemple. La contemplation, le Yahweh nous parle de quoi? De l'admiration. Au fait, la contemplation, si vous voulez, nous parle des hauts faits de Yahweh.
Oui, frère, nous devons désirer plus avec le Seigneur. Nous ne nous limitons pas avec du peu qu'on a reçu du Seigneur. Nous ne nous limitons pas du peu qu'on a reçu, qu'on a vu, qu'on a entendu. Cherchons à contempler le Seigneur. Contempler le Seigneur, c'est quoi? C'est lui offrir nos corps, c'est lui offrir nos vies comme des sacrifices. Oui, frère, pourquoi il est important, n'est-ce pas, que nous contemplions le Seigneur? Parce que justement, il est le plus grand de tous les sacrifices. Il s'est offert à Dieu comme une victime expiatoire. Et en retour aussi, il faut que nous lui sacrifions, que nous lui offrions nos vies comme un parfum, comme un sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Oui, frère, cette étape est cruciale dans la révélation du Seigneur. Plus Jésus va se révéler à nous, plus on va contempler sa face, plus on va se prosterner devant lui. Plus on va contempler sa face, plus, n'est-ce pas, on va lui offrir nos vies comme des sacrifices, soit des holocaustes, n'est-ce pas? Soit des holocaustes, soit des sacrifices vivants, offrons à Dieu tout ce que nous avons, offrons-nous entièrement, offrons à Dieu, n'est-ce pas, ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de plus cher, nos vies. Il faut que quand le Seigneur nous regarde, quand le Seigneur nous voit, n'est-ce pas, il n'y a plus de compartiment de nos vies que nous gérons nous-mêmes. On appelle Dieu notre Seigneur. Notre Seigneur est notre maître et notre Dieu. Donc on doit lui offrir tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, frère. Donc la troisième étape, n'est-ce pas, dans la révélation, on n'a pas de la vue, on n'a pas de l'écoute, c'est la contemplation du Seigneur. Et on va prendre un passage, n'est-ce pas, dans Jean, dans Luc, autant pour moi, Luc. Dans le livre de Luc, chapitre. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Donc tout à l'heure, ou plutôt au début de l'émission, je parle de trois catégories de personnes quand on donne la foi. Je parle des serviteurs. Donc les serviteurs, ce sont ceux qui ont simplement écouté. Dieu les a appelés. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ne désiraient pas plus avec lui. Ils ont simplement écouté. Ça, c'est les serviteurs. On va le voir tout à l'heure, mais on est dans Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Et il arriva, comme il s'en allait, qu'il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie, qui se tenant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de soucis du service. Étant survenue, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider, dis-lui donc de m'aider de son côté. Le Seigneur lui répondit et dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôté, qui ne lui sera pas ôté. Donc ici, on a deux églises, on a deux services, on a deux chrétiens, on a deux personnes, n'est-ce pas? On a d'un côté ces chrétiens qui sont arrêtés à écouter le Seigneur, qui servent Dieu, qui sont, on va dire, plus portés par le service que vers la contemplation, que vers l'adoration du Seigneur. Parce que regardez, on nous apprend quoi ici? Que Marie était assise au pied du Seigneur. Vous voyez, non? Attendez. Est-ce que je peux m'asseoir au pied de quelqu'un que je ne connais pas? C'est pas possible. Si mon enfant, n'est-ce pas, s'assoit à mes pieds, c'est parce qu'elle me connaît, c'est parce qu'elle a une relation avec moi, c'est parce qu'elle a une intimité avec moi. Donc l'attitude de Marie nous parle de l'intimité, nous parle de la communion avec Dieu. Marie connaissait le Seigneur. Voici pourquoi elle pouvait s'asseoir à ses pieds. À ses pieds, n'est-ce pas, c'était l'image de l'adoration. C'était l'image de la contemplation. Oui, frère, et c'est là où Dieu nous veut. Et c'est là où Dieu nous attend. Mais regardez l'attitude de Marthe. On remonte la phrase, s'il vous plaît, à partir du verset 40. Mais Marthe était distraite par beaucoup de soucis du service. On va s'arrêter ici. Comme beaucoup de chrétiens. Les chrétiens, plus le ministère, aiment plus le service que la présence de Dieu, que le Seigneur lui-même. Les chrétiens, beaucoup plus les dons de l'Esprit, n'est-ce pas, les charismes de l'Esprit que le Père. Il se voit que Marie était
était distraite par beaucoup de soucis. Pourquoi? Pas que servir le Seigneur soit une mauvaise chose, mais elle était justement distraite par beaucoup de soucis parce que les fardeaux que Marie avait là, que Marthe avait, n'est-ce pas, c'est pas le Seigneur qui les lui avait communiqués. Pour avoir le fardeau de Dieu, il faut d'abord être dans sa présence. Quand tu es dans sa présence, il te communique son fardeau, il te communique sa pensée, tu peux mieux le servir. Mais Marie, Marthe n'a pas compris d'abord la priorité qui était au pied du Père. Et Marie avait compris cela. Marthe ne l'avait pas compris. Elle était distraite par beaucoup de soucis du service. Ça devenait comme un souci, comme un poids, comme un fardeau, comme une chance pour elle. Pourquoi? Parce que Dieu, le Seigneur a dit clairement, dans Matthieu 11, 28, venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon fardeau est doux. Et quand je suis doux, n'est-ce pas? On va le prendre. Car mon joug est doux, n'est-ce pas? Et mon fardeau léger, merci. C'est bon, on revient sur Luc. Car mon fardeau est doux, n'est-ce pas? Car mon fardeau est. Bon, prenons-le, c'est pas grave. Donc, dans Matthieu 11, le verset 30. Car mon joug, autant pour moi, est doux et mon fardeau léger. Merci Seigneur. Vous voyez ici, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc le fardeau que le Seigneur nous demande de porter ne peut pas peser, ne peut pas nous écraser. Pourquoi? Parce que c'est un fardeau qui nous communique dans l'intimité, dans le secret. Parce que, n'est-ce pas, c'est un fardeau, n'est-ce pas, qui nous aide à porter. Vous avez la différence entre Marthe et Marie. Marthe, n'est-ce pas, avait porté un fardeau que Dieu ne lui avait pas communiqué. Donc, on repart dans Luc. Donc, ici, c'est ça la différence. Le serviteur, il est porté qui fait le service. Pourquoi? Parce qu'il a écouté, allez, faites une nation des disciples. Mais celui, n'est-ce pas, qui a pu voir, qui a une révélation du Seigneur, qui a une intimité, qui contemple le Seigneur, il va comprendre qu'au-delà de cette mission que Dieu nous a donnée, j'ai d'abord besoin d'être à ses pieds pour qu'il me donne des directives claires et précises. Car on ne sert pas Dieu dans le désordre. Donc dans Luc 10, à partir du verset, on est verset, le verset 40, s'il vous plaît, frère. Donc, Marthe était distraite par beaucoup de soucis du service. Étant survenue, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma soeur me laisse servir toute seule, mais est-ce que c'est le Seigneur qui t'a envoyé le servir? Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas le Seigneur, c'est toi-même. Tu aurais dû, Marthe aurait dû comprendre, n'est-ce pas, que ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on soit d'abord dans sa présence, c'est qu'on soit à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on grandisse dans la révélation du Seigneur. Amen. Donc ici, le verset 41, le Seigneur lui répondit et dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oui, lorsqu'on apprend, lorsqu'on contemple le Seigneur, on ne peut pas être agité. Lorsqu'on adore le Seigneur, lorsqu'on est dans sa présence, on ne peut pas être agité. Voilà. Mais une seule chose est nécessaire. Donc on apprend ici qu'une seule chose est nécessaire. La seule chose qui est nécessaire que le Père considère, c'est qu'on soit dans sa présence. Est-ce que ça veut dire qu'il ne veut plus qu'on le serve? Pas du tout. Il veut qu'on le serve en fonction du fardeau qu'il nous communique. Amen. Donc, ici, on a l'image, n'est-ce pas, par Marie, d'une femme qui était dans l'adoration, qui était dans la contemplation du Seigneur. Elle était assise à ses pieds. Elle avait compris le secret. Oui, frère, pour grandir avec Dieu, pour aller plus loin, il faut qu'on soit à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'en étant au pied du Seigneur, il nous communique sa pensée. En étant au pied du Seigneur, il nous communique son cœur. En étant au pied du Seigneur, il nous communique sa vie. En étant au pied du Seigneur, il nous communique sa nature. Amen. Donc, on repart pour terminer avec, on est dans le 1 Jean, la dernière étape. Donc, on est en train de voir la croissance de la révélation du Seigneur. On a parlé de l'écoute, on a parlé de la vue, on était sur la contemplation, donc l'adoration, et on va terminer avec le toucher. Donc, dernière étape. Donc, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de la vie, que nos propres mains ont touché. J'ai envie de nous poser une question simple. Est-ce qu'on peut toucher quelqu'un à distance? Non. Pour que je touche quelqu'un, il faut que cette personne soit proche de moi.
Donc, le toucher nous parle de quoi? Le toucher nous parle de la proximité avec Dieu. Le toucher nous parle de quoi? Le toucher, n'est-ce pas, nous parle de la femme à la perdition qui a pu toucher le pan de la robe du Seigneur. Le toucher nous parle de quoi? Le toucher nous parle de l'intimité, du secret avec Dieu. Et c'est là où Dieu nous attend tous. Le toucher nous parle de quoi? Le toucher nous parle du Saint des Saints. C'est vrai qu'on l'avait déjà vu. Je vais revenir sur ça. Donc, dans 1 Samuel, n'est-ce pas, qu'on a lu tout à l'heure, vous avez vu Samuel. Il avait compris la nécessité, sinon l'importance d'être dans la présence de Dieu, d'être dans le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il pouvait toucher le Seigneur. Il pouvait toucher, il pouvait palper, il pouvait palper sa présence, frère. C'est là où Dieu nous attend, c'est là où Dieu nous veut. Regardez, on est dans Jean 15. On est dans Jean chapitre 15. On va lire à partir du verset 15. Jean chapitre 15, on va lire à partir du verset 15. Donc on est sur le toucher. Et Dieu veut qu'on le touche. Pourquoi? Parce que regardez, Dieu veut qu'on touche son cœur. Dieu veut, n'est-ce pas, qu'on le touche, qu'on le palpe. Pourquoi? Parce que c'est notre père, parce que c'est notre ami, parce que c'est notre époux. Il dit, je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Dieu veut qu'on soit ses amis. On a vu, non? On dit, l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Dieu ne veut pas qu'on se limite à des serviteurs, mais il veut qu'on soit ses amis. Dieu veut qu'on soit proche de lui. Dieu veut qu'on soit intime. Il dit, je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Mais bien plus, la relation par excellence que le Père aimerait ou souhaiterait qu'on ait avec lui, cette relation d'époux et d'épouse. Pourquoi? Parce que c'est à l'épouse, n'est-ce pas? C'est l'épouse qui connaît l'intimité de son mari. Il n'y a qu'une femme pour connaître l'intimité de son mari. Vous avez vu ce qui se passe dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Là où Jean voit la cuisse du Seigneur, là où il est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Un passant, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des personnes qui s'habillent mal, mais dans la vie normale, n'est-ce pas, seuls les époux, les mariés et les femmes ont le droit de voir l'intimité, les cuisses de leur conjoint. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches, ils ont une relation particulière. Cette révélation, cette relation, ce niveau que Dieu veut qu'on atteigne avec lui, la proximité, le toucher. Oui, Dieu veut qu'on le touche, Dieu veut qu'on touche son trône, Dieu veut qu'on palpe, qu'on le palpe. Dieu, regardez, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne veut pas qu'on fasse partie de la foule, au clos, de ce peuple sans vision, sans révélation, qui sert Dieu juste pour le plaisir. Dieu veut qu'on le touche, Dieu veut qu'on le palpe. Dieu veut avoir cette relation avec nous, cette relation proche. Et prenons un dernier passage dans Hébreu. On est dans Hébreu, chapitre 9, à partir du premier verset. Hébreu, chapitre 9, à partir du premier verset. En vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant le service divin et un sacrifice terrestre. On avait en effet construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel se trouvait le chandelier, ainsi que la table et les pains de proposition. Puis, derrière le second voile se trouvait le tabernacle appelé le Saint des Saints, et un encensoir d'or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait le vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. On va s'arrêter ici. Je vais terminer sur ça, sur le niveau que Dieu veut qu'on atteigne avec lui, frère. Ne nous arrêtons pas au parvis. Le parvis, c'est pour les étrangers. Le Saint des Saints, le lieu saint, autant pour moi qu'est la deuxième partie du temple, n'est-ce pas, nous est certes accessible. C'est déjà une bonne étape, n'est-ce pas, dans la révélation du Seigneur. Mais là où Dieu y est, là où Dieu réside,
Là où Dieu demeure, c'est dans le sein des saints. Et c'est là où il nous attend. C'est là où il veut qu'on le touche. Il veut qu'on le palpe. Rappelez-vous de l'œuvre de la croix. Quand le Seigneur est mort, le voile lui tombe, s'est déchiré du haut en bas. Donc, on a eu un accès dans la présence du Père. Oui, frère, ne nous limitons pas de la révélation qu'on a du Seigneur. On doit grandir. Elle est croissante. L'écoute, on commence par écouter, n'est-ce pas? Autant qu'on commence par écouter, après écouter, il faut désirer voir. Voir, il faut désirer contempler, adorer. Et après adorer, contempler, il faut toucher. Pourquoi? Parce que le toucher, n'est-ce pas, va changer notre façon de le servir. Le toucher va changer notre façon, n'est-ce pas, de vivre et de marcher avec le Seigneur. Et pour terminer, on a vu la vie de disciples. Comme Jean l'a dit, ils ont vu le Seigneur, ils ont écouté le Seigneur, ils l'ont vu, ils l'ont contemplé, ils l'ont touché. On a pu voir quelle était leur vie. On a pu voir quelle a été leur vie, n'est-ce pas? Quelle a été leur vie? C'était des vies consacrées, des vies pieuses, des vies des hommes qui servaient, qui craignaient Dieu, qui le servaient avec un cœur pur. Et c'est à ce niveau que Dieu nous attend. Efforçons-nous, n'est-ce pas, de ne pas nous limiter au parvis. Efforçons-nous de ne pas nous limiter au lieu saint. Allons-y dans le Saint des Saints, car c'est là où Dieu y est. Nous ne serons pas simplement des serviteurs de Dieu. Nous ne serons pas simplement des amis de Dieu. Mais soyons des épouses, soyons l'épouse du Seigneur. Ne limitons pas simplement à écouter, à voir, à contempler. Allons-y plus loin, touchons le Seigneur, touchons le pan de sa robe. Car il veut, n'est-ce pas, qu'on aille plus loin avec lui. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec nous ce soir. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Bonne soirée chez vous.